Coucou tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo, tout simplement parce que je vous avais montré ce style de petit cahier sur Instagram, mais je voulais le refaire sur YouTube parce qu'il y a un petit moment. Et donc j'en profite, donc c'est un cahier de liaison puisque je suis sa tante maternelle. Je garde une petite fille, comme vous pouvez voir, qui se prénomme Lucie. Et donc grâce au carnet qu'on retrouve chez Action, vous savez, avec les spirales comme ceci, les intercalaires. Tous les décors, toutes les feuilles, papeterie de chez Action. Voici ce qu'on peut faire. Donc moi, j'ai fait ce style tout simplement parce que je voulais un joli cahier de liaison, tout simplement pour que les parents trouvent ça joli, mais pour moi, parce que j'aime bien être perfectionniste et je trouve que c'est quelque chose que les parents peuvent tout simplement garder. Voilà, donc du coup, ce que j'ai fait, donc voici la première page. Donc, c'est des pages comme ceci, vous voyez, que vous retrouvez chez Action. À chaque fois, ça change. Il y a peut-être des autres qui sont sortis de nouveau. Là, que je regarde quand je montrais au mois d'août chez mes parents. Et donc, du coup, voici comment j'ai décoré. Donc, la première partie, sur des feuilles, hein, tout simplement. J'ai fait des décors avec donc les papiers de chez Action, voilà. Et recto verso, j'ai mis des feuilles assez lourdes sur la page d'en-tête. Ici, j'ai collé un petit carnet qu'on retrouve chez Action. Ça, c'est des petits mots. Si la maman elle a un petit mot à mettre, elle me le met et donc elle me le joint avec le petit onglet à manette ici. Voilà, et ici c'est des décorations. Ensuite, là, moi je travaille le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Et donc ça va changer puisque je vais travailler le lundi. Et donc du coup, ben, le lundi, j'expliquerai à la maman que ça sera donc le dernier malheureusement parce que mes horaires ont changé et mon planning a changé. Donc là, voici les décorations. J'ai écrit mardi. Et donc ça fait recto et verso, voilà. Et pour chaque, on a, eh bien, chaque spirale correspond à un jour. Donc là, c'est mardi. Là, c'est mercredi. Maya veut sa tutute. Voilà. Là, c'est mercredi. Donc pareil, j'ai fait une décoration avec écrit un stylo à craie. Voilà. Ensuite, là, on va passer à jeudi. Pareil, décoration toute avec les feuilles de chez Action. Et vous savez, les livrets avec où on peut faire les cartes. Voilà. Ensuite, on va retrouver vendredi. Dans vendredi, eh bien, il y a des glaces et tout. Et donc, du coup, là, on va retrouver donc que je dois faire lundi. Voilà, que je ferai donc au mois de septembre. Donc, je colorerai une feuille ici et ici. Et le lundi, ben, se retrouvera tout simplement à la fin. Voilà. Et quand je l'ai fait, en fait, je me suis dit, t'es bête, pourquoi t'as pas fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi? Bon. De toute façon, il va se finir très très rapidement. J'en ai d'autres et j'en referai un autre comme, même style. Et ici, donc, j'ai fait une espèce de petite pochette. Donc, j'ai fermé ici, j'ai fait un décor comme ceci. J'ai plié tout simplement. J'ai mis deux petits aimants dessous pour cacher et que j'ai collé. Et ensuite, deux aimants ici. Et voilà, et ça fait une petite pochette où ben, la maman, elle peut mettre tout simplement des petits mots. Et moi, plus ou moins, là, j'ai oublié parce que j'ai recommencé à travailler mardi. Normalement, je mets la feuille de présence du mois avec les jours, l'heure d'arrivée, l'heure de sortie. Comme ça, la maman, elle a plus qu'à, du moins, elle a plus qu'à suivre ce qui a été écrit. Et voilà, ça permet de se retrouver. Et donc, du coup, moi, il faut que j'en fasse les photocopies là pour après déclarer aux impôts. Donc, voilà comment ça se présente. C'est super joli. Voilà. Alors, bien sûr, moi, j'en ai trouvé des très, très simples. Mais je sais qu'à l'époque, il y en avait des petits pompons sur les côtés. Donc, j'espère en retrouver au mois d'août des petits cahiers très, très jolis. Voilà. Parce que, bien sûr, je ne pense pas qu'ils fassent 2017-2018. Mais je trouvais que c'était super joli. Donc, dites-moi ça en commentaire. Si ça vous plaît, si ça vous donne peut-être des petites idées pour vous, pour faire votre propre agenda, hein, pour vos rendez-vous lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ça peut le faire. Donc, voilà la petite idée. Donc, plus en détail, puisque je l'avais postée sur Instagram. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas faire une petite vidéo ce matin, en ce jeudi 13 juillet, pour vous montrer tout ça. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. Chez nous, il ne fait pas très très beau.
J'espère que ça va se lever et puis on se retrouve bien évidemment pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!